Salut à tous. Alors aujourd'hui, présentation d'une situation de jeu spécifique latéral et attaquant. Alors pour commencer, on a ici le latéral, le joueur qui fera office de milieu de terrain et l'avant-centre. Donc dans un premier temps, ce qu'on va simuler, c'est une remise de l'attaquant pour le milieu de terrain. Et là, ce que le latéral va travailler principalement, c'est le timing de son appel dans l'espace et ensuite la qualité de son centre. Pour le milieu de terrain, lui, ce qu'il va travailler, c'est sa prise de balle orientée et sa passe dans l'espace. Et pour l'attaquant, lui, bien évidemment, ça va être la finition. Ça, c'est la première partie de cette situation. Et dans une seconde partie, il y aura une seconde finition pour l'attaquant, où là, la priorité sera mise sur la prise d'information au niveau du gardien. Et donc, pour ça, le travail était qu'au moment où il réalisait sa prise de balle, moi qui faisais office de gardien, je devais me déplacer légèrement d'un côté et lui devait obligatoirement frapper de l'autre. Et donc ce qui obligeait l'attaquant à prendre l'information sur ma position pour faire ensuite son choix. Et donc là, l'objectif était bien évidemment de marquer, mais surtout de prendre cette fraction de seconde super importante pour les attaquants pour regarder la position du gardien et faire son choix technique en fonction. Très bien, c'est là. Bien. Ah, c'est bien. Voilà, il redresse, il redresse. Bien joué. Dommage. Bien joué. Ok, c'est pas mal. Voilà. Second. Oui, je suis là. Ouais, c'est dedans. Donc voilà, situation de jeu très intéressante où chaque joueur travaille spécifiquement à son poste et à ce qu'il va retrouver en situation de match et qui par conséquent permettra de progresser beaucoup plus vite. Et si toi aussi tu souhaites progresser rapidement cet été, n'hésite pas à rejoindre une de nos séances de groupe qui seront beaucoup plus efficaces pour toi pour progresser beaucoup plus rapidement. Et pour t'inscrire dans l'une de nos séances, n'hésite pas à m'envoyer un mail. Mon adresse est dans la description.